On peut tout à fait faire du multi-partenariat pour résoudre les problématiques. On a mis à vous êtes à Saint-Crépin, donc voilà. Chevreux. Sur Palme. Vous avez des bureaux oui, sur le quartier. Voilà, oui, voilà. Dans le quartier. Vous assurez des permanences. Oui. Et les gens viennent vous voir pour vous parler de quoi? On est d'abord de la Association des Femmes Transmajeures de l'Université, qui viennent d'abord pour ça, aussi pour ça, et puis aussi on est aussi une association communautaire qui a mis en place un certain nombre d'ateliers pour les familles dans le quartier, notamment. La discussion, le soutien à la parenté. Voilà. D'accord. Alors, parfait. Bon, mais là, vous êtes bénévole, j'imagine. Oui, enfin non, le groupe des salariés. Moi, je suis bénévole. D'accord. La petite est bénévole et entière. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette opération. C'est une première. Pour participer à cette opération, oui. Qu'est-ce que vous en attendez hein? Si vous voulez, je suis toujours un peu réticent face à cette opération. Entre 60 et 30 avocats. À 60, les chefs de guerre. Les cabinets sont ouverts du lundi au samedi. Et je m'interroge sur le fait qu'il fallait voir les gens dans un chef des services. Je sais pas que la jeune des personnes de l'air, c'est quelque chose que je ne sais pas plus. C'est un cas de la main. Alors on va aujourd'hui faire notre rôle. Donc on va faire Sophie Bicard, citoyen. Vous avez raison d'assister à ça. Il ne suffit pas d'être. L'idée à terme, c'est d'avoir une police qui est 24 heures sur 24. D'accord. D'accord. Donc, il y a eu tous les efforts pour qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance. Oui, mais ça se poursuit, ça. Ça va se poursuivre. Vous avez un CSU. On va poser la première pierre dans un mois. L'objectif, c'est 2021. Il y a un centre de session, mais il y a carrément un commissariat neuf pour la police municipale. Vous êtes installé construit rue d'Arquebuse, à la Prince, avec ce qui est de la ville. Ça peut être un problème d'engagement, d'emploi, le riverain qui a besoin d'un passé devant chez lui, donc automatiquement les interviews sont gérées dans la ville, donc on met des mêmes services publics, après ça peut être tous les jours. Ça dépend du cabinet du maire, ça va plus. J'ai la chance d'accompagner M. Maire tous les grands jours, il y a plein de temps en permanence dans un quartier de 40-60. J'apprécie. Et beaucoup d'oléances.
D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez quelque part pour les persuader à la chance, qu'on se fait découvrir notre appartement. C'est normal. Bien sûr, c'est normal, madame. Bien sûr. Est-ce que ça serait normal si je peux accepter ça? Ah non, les intérêts d'une journée comme celle-ci, madame, voilà. C'est que Babette va vous orienter au conseil. Ça, c'est terminé, justement. Vous habitez dans quel quartier? À Soissons, vous avez une accommodation permanente? Oui, on est présent au tribunal, on est présent au commissariat, on est présent à la maison. Ici, après. Sous quelle forme vous faites des permanences? Des permanences, oui. Des permanences, c'est. Donc, sur rendez-vous, je vais essayer de vous madame, ça va. Trois par semaine, un peu par semaine au commissariat. Donc alors, c'est quoi de ce type de manifestation? Vous voulez changer entre vous? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, ouais, vous avez les bailleurs à côté. Voilà. Et ils sont à l'entrée du boulevard de Presles. Oui. Mais c'est surtout sur le quartier Maupas. D'accord. Le quartier Très Union. On n'a pas spécialement de place quand même. Non, c'est une population. C'est une population. Mais c'est de l'habitat social? Non. C'est de l'intermédiaire. Oui. Très bien. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Oh, on s'est déjà vu. On s'est déjà croisé. Bon, là, c'est local. On les connaît. On sait de quoi ils sont capables. Non, messieurs. 1200 logements. Oui. Ils sont présents à Saint-Clair. Oui. Je veux. Merci. On est sur Saint-Va. Ça va, oui. Ça va, c'est bien. Vous êtes
Et j'ai d'autres collègues qui sont aussi dans les lieux, qui vont faire une journée par mois. Ouais. On a deux autres qui viennent aussi deux demi-journées. Donc en gros, on a pas mal de demi-journées. Ces demi-journées-là, c'est une chose, c'est une partie concrète. Ça fait longtemps que vous êtes conciliateur. Je ne vois pas, ça va faire deux ans d'affaires. Ça permet de calmer les colères, ça permet de... Voilà, on essaie de solutionner, c'est pas du tout. Parce que s'il n'y a pas la bonne volonté de l'autre de la partie, c'est en cause. Mais déjà, quand il y a l'effort, quand il y a une part, c'est qu'il y a déjà l'effort. Il y a pris de quelque chose. Alors, c'est une partie. Oui, il y a une partie, elle n'est pas forcément d'accord. J'ai envie de parler. Et alors, donc, à ce moment-là, il faut que vous appuyez. Et voilà. Concernant donc les services de proximité, est-ce que pour vous, ça a été bénéfique?
problèmes techniques, sur les problèmes de voisinage et sur d'autres problèmes, notamment les demandes de logement. Est-ce que les gens recherchent? Parce que là, on a les réponses et qu'ils sont dirigés ensuite sur les services adéquats. Oui, ça nous a permis de pouvoir aussi rebasculer certains problèmes avec les partenaires aussi pour nous et lui détourner du partenariat. Sur la proximité, effectivement, par rapport aux objectifs de notre société, c'est important d'être présent et de pouvoir nous permettre. Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'était hein, des services de proximité. Je pense que cette journée, c'est bien passé. Merci, Olivier. Ouais, toujours dans cette journée des services de proximité, comme ici au centre social de Prennes, je suis avec les consommateurs de justice. Est-ce que vous avez eu du monde aujourd'hui? Oui, on a eu quelques personnes. On a eu pas mal d'activités. 4 personnes et puis ça fait une personne qui arrive. Alors ça répond vraiment aux questions des gens. Ça les concernait directement. Ils avaient des outils qu'ils voulaient résoudre avec certaines maquettes. À partir de là, on voit ensemble comment on peut résoudre de manière avec leur est-ce que vous pensez que ces opérations peuvent essayer de diminuer les interventions au palais de justice? Alors, les demandes, le travail des conciliateurs, c'est de récupérer dans un premier temps toute demande qui arrive, peu importe, doit passer par les conciliateurs. C'est un fait. On ne voit plus directement, on a une idée, on ne voit plus directement au tribunal, devant un juge. On passe automatiquement devant les conciliateurs. Nous, conciliateurs, on essaye de trouver un accord entre les parties. C'est-à-dire que les parties ont construit avec eux une solution pour résoudre leur litige. Et bien, des fois, ça n'arrive pas, et des fois, ça arrive. Lorsque ça arrive, on réduit un accord. Lorsque ça n'arrive pas, on constate l'échec. Et de là, les demandeurs peuvent poursuivre auprès du tribunal, dans la même démarche. Et en fait, sachant qu'on résout à peu près 70% des cas qui nous sont présentés, on a à peu près 30% de cas qui nous disent qu'ils vont directement au tribunal. Voilà donc une opération qui nous réussit encore une fois avec les conciliateurs de justice. C'est intéressant de regrouper tous les services qui sont Mais c'est beaucoup.